créer job, permettre que Gessandrelé yo générer revenus fiscaux, permettre que l'État rentre l'argent tout à travers entreprise yo. Mais yo rive non niveau jodi a là que ça trop à tort, yo pas capable supporter encore. Mais dans sens ça, yo croit que jodi a là zak kidnapping, yo zak criminalité au cap passé dans pays a, yo paraît impuissant, yo même peu capable fonctionner comme entreprise, comme patron cap gérer secteur privé à qui à permettre que même moun yo même jeune emploi en de pays et face avec zak kidnapping zak insécurité ça personne pas épanier et l'État pas responsable plus capable protéger la vie moun vraiment yo même dans secteur privé a qui unit tu ensemble pour capable demander avec autorité concernée yo mais secteur privé a tuni pour exiger autorité publique concernée yo que yo prend responsabilité yo fois encore pour que permettre que tout monde capable fonctionner comme ça doit permettre que population haïtienne est capable vivre comme ça droit dans société ya. C'est pour ça association patronale secteur privé yo décidé tout soutenir et encourager entreprise yo pour capable observer ça relé une journée capé travail. Je dis à la ben association action commerce ta mandé avec toute entreprise qui fait partie association ça, il y a campé travail en signe de solidarité avec surtout za kidnapping qui fait sous fidèle religieux catholique yo et pour nous dire bien en signe de solidarité avec victime yo, tout monde qui victime dernier cas c'est ka moun dans l'église catholique yo, c'est ça. Association chambre commerce lui-même li mette dehors li dit à travers notre ça toute association, toute entreprise qui fait partie association chambre commerce, jeudi 15 dans la yo tout a fermé d'après ça on dit dans notre ça pour porter solidarité avec Zak kidnapping qui fait dans pays a dit non toute façon nek exam a terroriser population hein, et mettre sous ça l'autre action criminalité qui a fait dans pays a rapidement bon dit nous qui est-ce qui peut ici ati en bas notre ça pour association chambre commerce gain Laurent Saint-Cyr qui lui-même c'est président CCIO gain Christelle Vaval qui c'est vice-présidente association chambre commerce Haïti gain Geoffrey Andal, qui lui-même c'est président CFHCI, Gen Willem Lemke, qui lui-même c'est président AIDH, Gen Rania Forbin, qui lui-même c'est président ATH, Gen Michel Moura, qui c'est président CCHCI, Gen Carl Frédéric Bertman, qui lui-même c'est président AAIVM, qui lui-même, je dis à l'ensemble association, ça a dit, décidé qu'un peu de travail tout, en signe de solidarité avec ça, avec l'Église catholique. Qui eux même annoncé je dis à toute l'église, toute l'école catholique, toute l'école catholique ça c'est fermé à midi boule toute cloche absonnant de l'église catholique et puis mandé avec tout le monde pour prier pour libération leader religieux ça yo. N'a toujours été dans la même question ça, note de solidarité avec ça qui passe là, Université Technologie d'Haïti qui c'est Unitec, lui-même nous a vie yo metté dehors là avec tout étudiant, professeur qui eux-mêmes qui dans université ici là, eh bien Unitec en solidarité avec l'école et l'université catholique yo pour porter support avec l'école et puis l'université catholique yo pour protester contre insécurité généralisée qui a fait la rage dans la société à dernier temps, ça y est. Mais rectorat, université, technologie d'Haïti, à Unitec, l'y informer, l'a dit avec tout enseignant, pour dire tout professeur, étudiant, personnel administratif, cap travail, dans l'université, technologie d'Haïti, qui c'est Unitec, il a fait mes portes, mais il a fait mes portes, pour journée jeudi, qui c'est 15 avril 2021. L'éclair, ou même qui c'est étudiant, professeur, qui n'a personnel administratif, dans l'université, technologie d'Haïti, qui c'est Unitec, qui trouve dans l'avenir 1, yo dit que jodi a la yo ferme porte yo pour porter solidarité yo avec université et puis l'église l'école catholique yo qui a fait qui a exigé libération des leaders religieux qui dimanche qui était 11 avril là yo accusé dans 400 maozo qui enlevé moun sa yo et gen l'autre association pour nous capable gardez toujours association nationale distributeur produits pétroliers qui eux-mêmes tout yo mettez en notre solidarité de York côté conseil direction association nationale distributeur produits pétroliers yo Anadip membre secteur privé affaire là yo dit yo senti yo touché tristé par za kidnapping qu'a fait dans pays dernier temps ça situation sécurité à pays qui inquiété yo même mais za kidnapping qu'a fait tout vol viol crime assassinat qu'a fait
gang armé qui fait la loi, qui a attaqué mon dans pays. Mais face à ensemble de situations, ça yo, yo décidé appuyer mouvement solidarité avec la population qui victime toute forme de zak qui a passé dans le pays. Raison pour raison ça, mais yo même dans conseil direction association nationale distributeur produits pétroliers, yo encouragé tout membre yo. Tout opérateur, tout opération qui j'ai question ça, pour yo camper, travailler tout pendant journée jeudi, qui c'est jeudi 15 avril 2021. Jean-Wilner Sévère. 5h30. N'a toujours été sous même dossier ça, mais n'a pas rappelé jeudi, en toute institution catholique qui a fermé Portio, tant que l'église, l'école tout a prêté fermé à midi, ben, l'église a fermé ça pendant y'a sonné clocheau. À midi boule sous si gain université a fermé porte yo gain pompe qui t'a sous fermé porte yo busy fermé porte yo gain direction politique opposition dans yon note yo mette dehors yo mandé ensemble avec toute population yo même depuis le fait midi bang c'est pour yo battre ténèbres jodi an nalité pour capable solidariser avec secteur catholique là qui a annoncé yon série mouvement pour dénoncer kidnapping qui fait contre plusieurs religieux catholiques week-end passé à dans notre ça dire pour dresser un tableau sombre sur situation sociopolitique et économique pays a une porte-parole dire pour la Daniel Syria qui a critiqué autorité concernée qui d'après les pages prend aucune mesure pour freiner Zak Bandio Capsimé la troublaille dans mi-temps population côté déclaration Daniel Syria. Alors notre dire pour là il dresser d'abord un tableau général de situation macabre que pays a trouvé là-dedans, là, côté, l'État censé disparaître, c'est gang armé qui a commandé, c'est kidnapping tout partout qui a fait, et pendant ce temps, il y a des gens qui cachaient derrière l'État, qui dit qu'il y a un pouvoir après Dieu, il y a tout pouvoir, et puis, population elle-même, c'est masse qui fait, la montée. Donc, pendant qu'ils continuent à exploiter tout ce pays a gagné comme ressources, comme richesse, donc, et population lui-même, li dans toute misère, dans toute calamité. Dans le dernier jour, ça y est, nous voyons que les kidnappeurs entrent dans l'église, ils ont enlevé pasteur avec fidèle, pas gagné aucune autorité dans l'État qui dit ouais. Ils ont même arrivé kidnapper agent de sécurité présidentielle. Palais national dégagé, lui payer rançon, mais il n'a pas dit why. Il n'a pas fait aucun exercice qui rentre dans le cadre de responsabilité de l'État, ni pour capable de réprimer bandits, ni pour capable de permettre à ce que les gens qui sont victimes jouent justice. Demain jeudi, c'est à une journée de protestation que l'Église catholique lance, côté il a fermé toute institution, il a fait messe et puis il a sonné cloche. Nous profitons de tout les haïtiens pour le battre ténèbres dans le même moment avec l'Église catholique à midi tapant, toute machine campe klaxonne, motocyclette campe klaxonne, les haïtiens quel que soit côtoyer sont jeunes pour frapper, c'est frapper, relève-moi pour nous dire Jovenel Moïse, c'est dernier moment. Nous pas accepter le tête. Okay. Sans titre ni qualité, sans légitimité. Ça, c'est déclaration, papa, le PLA, qui c'est Daniel Syria, qui a plusieurs études dans la faculté de médecine, dans l'université Notre-Dame d'Haïti organisée. Une sitting à mercredi, dans l'idée pour demander libération sans rançon, docteur Trivan Valembrun, avec ensemble religieux qui n'en met ravissé, yo. Étudiant, au fait qu'on est à cause de la situation sans pile, n'a yo pas vini dans la faculté, yo. Yo demande autorité concernée, pour prendre responsabilité, yo. Pressé. En côté, quelques n'a yo, n'a micro, Radio Méga. Activité assez pour nous exprimer ras-le-bol nous devant situation et sécurité qui a perduré dans la société nous depuis quelques temps. Jodi a nous veut exprimer ras-le-bol nous. Nous gagne camarade nous, Père Hugues, qui était parmi religieux, yo qui kidnappé dimanche. Jodi a nous prend la rue pour nous porter solidarité nous
non seulement ensemble avec camarade nous, Père Hugues, mais ensemble avec tout le monde qui nous met la vie sur nous. Nous voulons dire que nous bouquons, nous voulons vivre le pays nous. Nous voulons apprendre, nous voulons servir le pays nous. Nous voulons sécurité, nous voulons que responsables prennent responsabilité envers nous-mêmes qui sommes petits pays. Parce que nous-mêmes, nous pas décidé d'aller, nous décidons de rester dans le pays nous pour nous servir la population, pour nous servir frère nous, servir chez nous, by service dans le domaine de la santé. Nous exigeons libération, camarades nous, qui c'est Père Hugues, ensemble avec toute notre religion, sur le champ et sans rançon. Sans rançon, s'il vous plaît, parce que nous-mêmes, nous payons l'argent. Nous payons l'argent, nous payons l'argent, nous payons l'argent, nous exigeons libération, religion, ensemble avec Père Hugues, et puis tout le monde qui nous met la vie sur eux, nous voulons que nous libérions sur le champ. Et sécurité a ligué tout impact qui fait sur nous. Parce que nous-mêmes, imaginons, nous gagnons pour nous vivre dans la faculté nous chaque jour. À cause de la situation d'insécurité qui règne dans le pays, nous ne connaissons pas qui est après nous, qui est après nous. Ça fait nous pas en paix pour nous vivre dans l'école. Il y a des étudiants de la faculté qui choisissent pas venir parce que ne pas connaissent la sécurité n'est pas garantie dans la rue. Ils ne connaissent pas. Donc ils ne choisissent pas venir dans l'école. Donc qui ça? Comment pour nous vivre dans une situation comme ça? Comment nous-mêmes pour nous étudier dans une situation comme ça? Donc nous-mêmes, c'est capable nous-mêmes qui sommes affectés dans ce moment-là. Nous exigeons libération religieuse. Parce que nous ne sommes pas capables encore de kidnapper notre droit. Nous sommes pas capables d'exiger libération religieuse. 5h35. Mouvement Haïti Campé exprimé tête chargée au gain devant situation sécurité pays à côté kidnapping et sécurité généralisée dans le pays. Mac Pien qui a toujours les autorités au parfait rien pour résoudre un problème yo. Sauti mois janvier pour arriver mois mars, plus passé 140 moun perdu la vie yo. Sans compter massacre belle qui portait aller yon dizaine moun, c'est quelques chiffres qui prouvaient situation dégénérée d'après coordonnateur Macla Delson Sius qui tenait dans le micro Jean-Philippe Massier. En fait, Mac continue à exercer en pile pression et même manifester inquiétude par rapport avec en pile zak criminel et par rapport avec façon noire insécurité à monter en deux pays. Donc, dans trois dernières années, nous avons dit que son pays qui a enregistré en pile violation de la moun et nous avons gardé dans dernier notre OEA Sotia, côté que nous avons vraiment manifesté préoccupation li, par rapport à la quantité de moun qui est victime des actes kidnapping, qui est victime des actes d'insécurité en deux pays. Donc, nous-mêmes, dans Marc, nous avons beaucoup de population et nous avons continué à dénoncer tous les actes qui ont passé en deux pays. Là, nous connaissons un pays qui n'est pas dirigé, là, nous connaissons un pays pouvoir qui là son pouvoir illégal et son pouvoir de facto, côté que le mandat Jovenel finit depuis 7 février 2021. Donc tout ça qui a passé en de pays à la, toute sa population a subi dans le dernier jour. Nous croyons que l'Ili avec justement politique là, l'Ili avec justement une faillite globale qui vient au niveau de l'État. Et c'est ça qui fait nous-mêmes en Danemark, nous inviter la population à arrêter, continuer à mobiliser parce que c'est même population ça qui fait 1804 et c'est même population ça qui a mettre fin avec un dictature rétrograde. On dictatif violent, on dictatif féroce qui, pendant 30 ans, mettait pays à et en banette. Pendant 30 ans, il y a un dictatif qui violait de manière systématique et droit chaque citoyen haïtien. Et nous pensons que ça n'a pas vivre là, c'est encore l'histoire qu'a répété, c'est encore des autorités, des institutions qui par jamais la vie aucune importance, des institutions qui par jamais arrivent intégrer société à nos dynamiques de changement. Donc c'est ça que fait nous-mêmes en Damak, nous manifester en pile inquiétude, nous manifester en pile qu'est sauté dans tant qu'à venir là nous considérer quantité monde qui perdit la vie et chiffre là, il y a plus passé 142 monde qui perdit la vie entre janvier et mois mars. Ça vle dit un bagaille. Et nous gardons et ça passé sous belle dans la nuit pour sortir 31 mars pour l'ouvrir jeudi le 1er avril. Nous gardons qui ça passé dans le dernier jour. Ça a plus passé 12 monde dans 24 heures au kidnappé et gardé un dernier zak criminel qui passait canapé vert lorsque bandit sans foi ni loi arrivé et assassiné citoyen. Bon. Donc ça veut dire que la situation qui a passé dans le pays a vraiment préoccupé le mouvement Haïti Campé.
Ça, c'est une déclaration d'une responsable du mouvement Haïti campé qui c'est Delson Sirius, toujours par rapport avec Zak kidnapping, Zak criminalité, attaque Negaxam a fait sous mon quartier défavorisé. Il y a diverses autres structures dans la société, partis politiques qui ont même pas suspendu, mettez notre protestation par rapport avec ce qui a passé dans le pays. Il y a Rassemblement démocrate national progressiste, RDNP, changer la vie, qui ont même qui mettez en protestation que Rassemblement démocrate national même était d'ailleurs qui ça dit Rassemblement démocrate national progressiste RDNP exprimer indignation colère frustration face avec cause kidnapping dans les mêmes capran j'arrête dans société a côté jeudi à là mais secteur religieux à l'église mais c'est véritable cible bandio kidnapper yo côté yo enlevé et même séquestré cette religieux catholique parmi yo des nationalités françaises des étrangers des yon père ka yon sœur français française dimanche qui était 11 avril 2021 côté ambi accusation portée sous bas sous groupe gang armé 400 Marozo ça passé dans quoi des bouquets côté il t'a participé dans installation père Jean Arnel Joseph comme curé paroisse Galette Chambon ambi situation ça action ça li est vraiment soulevé réaction la camp pile secteur pile monde dans société a za kidnapping spectaculaire j'ai été qualifié là qui était fait côté pasteur dans l'église adventiste dans Dikini dans commune Kafou pendant non période service pasteur tout à fait pendant période Pascal là et bien nek exam rentré enlevé pasteur avec divers autres fidèles qui eux même dans moment mais nous dans RDNP nous trouve senti que nous touché par rapport avec sa capacité là il va carrément être indifférent face avec action ça yo qui produit souvent dans société a mais le côté l'état lui-même paraît impuissant mais les situations ça lui-même cause en pile monde pas qu'à fonctionner dans pays hein mais RDNP qui mandé autorité concernée yo pour prendre toute disposition concrète pour les actions concrètes pour être capable montrer avec la population hein rime cap courir comme quoi une relation entre autorité qui là avec bandio pour montrer que pas gain vrai action pour le poser et c'est ça RDNP lui-même rapporté pour le dire dans notre protestation ça et RDNP lui-même dit il vraiment senti touché par rapport avec un ensemble de crimes assassinats kidnapping qu'a fait tout autant de pays hein Rassemblement national démocrate Rassemblement démocrate national progressiste RDNP li renouveler engagement li pour continuer à accompagner population hein j'ai toujours fait yo même qui n'en parti si là pendant te profiter présenter sympathie avec toute victime massacre belle victime ensemble za kidnapping qui fait qui apprend dans société surtout za terroriste selon saoudi na gaza m'a fait sur yo pendant que institutionnalisation jodi à la question violence là les comme sont avec institutionnalisé en d'autres pays hein, pour faire communauté religieuse tout le monde en d'autres pays a peur en particulier l'église adventiste catholique pour eux-mêmes peur sa capacité en d'autres pays hein. Et dans ce sens ils ont demandé avec autorité concernée prendre responsabilité comme ça doit c'est secrétaire général RDNP Eric Jean-Baptiste lui-même qui protestait a-t-il en bas notre protestation ça que RDNP mettait d'ailleurs face avec Zak kidnapping on dit vague insécurité à Capran j'arrête non société cité à Marcel Joseph. N'avancer avec information toujours dans le journal Méga Matin, Jean Nouvel, là, hier matin, t'es très tôt, dans le journal Méga Matin, t'es déjà annoncé, le côté, premier ministre Joseph Jute, lui remettre démission avec le président Jovenel Moïse, à côté, le remercier, toute collaborateur qui t'a aidé, le petit passage, l'identité primatia, partenaire financier technique qui t'a aidé, la collaboration qui t'a bali. Ben, moins, c'est 12 étapes après sa nomination, Claude Joseph comme nouveau premier ministre AI, gouvernement, qui remplace Joseph Jute, qui remet démission Jean Dédia, eh bien là, gain assistance secrétaire département d'État américain Julie Chang qui témoigne entièrement support les États-Unis à bail avec Premier ministre Aïssa qui c'est Claude Joseph. Dans la publication sous compte de Lee, Julie Chang lui fait connaître que États-Unis lui-même pral continuer supporter pouvoir en place pour capable réaliser élection présidentielle législative en d'un pays après Anissa. Eh bien États-Unis tout envisager pour capable poursuivre avec coopération
discussion avec le premier ministre, nouveau premier ministre intérimaire, qui c'est Claude Joseph, gouvernement haïtien, avec tout un partenaire international pour travailler ensemble, pour permettre l'élection capable d'organiser suite à l'élection législative avec la présidentielle, élection libre et équitable pendant l'année 2021. C'est ça, nous capables de lire ce compte de Julie John, qui lui-même écrit ça, pendant renouveler engagement États-Unis pour accompagner pays d'Haïti. Nous capables de noter que les États-Unis lui-même continuent à piller, Sandri, les organisations élections dans le pays, alors que position lui-même ensemble avec différents groupes dans la société civile, ils n'ont pas suspendu exiger départ président Jovenel Moïse dans tête pays, et ils ont fait qu'on n'ait pas participé dans l'élection avec président Jovenel Moïse. Si nous capables exactement l'information, si là, gagné un président Jovenel Moïse, tout, eh bien, il est là, tout, après, installation, bien, pendant même journée, mercredi, qu'il est même, c'était 13 avril 2021, président Jovenel Moïse, qui dit là, président Jovenel Moïse a promis être capable de créer, à volonté, sans relire, un gouvernement d'union nationale, là, nous capables de lire ça, chef l'État, lui-même, qui entend installer là, à volonté, un gouvernement d'union nationale, dans un délai qui pas trop long, selon le communiqué, de presse, bio communication, président, mettez dehors dans d'acquitté mercredi 14 avril là, mais c'est jour cap compte, c'est les cap compter pour capable permettre que gouvernement sali même l'arrivée installé. On communiqué ça, bureau communication président sali informé que président Jovenel Moïse accepté démission gouvernement que Joseph Jutta a dirigé et confirmé que ben c'est occasion pour être capable nommer ministre Claude Joseph dans poste premier ministre pour un petit bout de temps. De l'autre côté, président Jovenel Moïse l'y retourner sous question série kidnapping qui a fait en de pays suite tout ça qui passé donc même quoi des bouquets côté nèg exam enlevé un bien plusieurs leaders religieux dans l'église catholique dimanche qui était 11 avril passé à surtout prêtre catholique avec l'autre sœur religieux yo bien non sans ça par rapport avec ça l'histoire de Joseph Jus président Jovenel Moïse li avré un bien l'incapacité gouvernement ça fait gagner gouvernement juste menéen pour être capable faire face avec ça li monter bien vague insécurité qui était gagne dans pays et pour cette ça li déjà prêt entamer un ensemble de dialogues pour permettre de garder comment capable de jouer une solution avec Zaki Napigno capable d'un pays. 5h45. Nous prenons ensemble avec Maître André Michel qui t'a pris agir sur démission pour Joseph Jout comme premier ministre. N'importe quoi, le secteur démocratique à populaire. Maître André Michel fait qu'on est démission Joseph Jout. La pape changer en rien d'intérêt population, ne résoudre un problème insécurité. La trier, avocat révélé, c'est président Jovenel Moïse qui révoqué chef gouvernement lié cita yon démission. Maître André Michel croit mobilisation qui doit continuer pour joindre départ équipe tête Kalea. Pendant discussion, il a continué n'amité au position avec international là pour faciliter le départ Jovenel Moïse au pouvoir. Un côté maître André Michel. Démission pour le ministre de facto, il ne peut changer en rien dans la situation peuple là. Il ne peut changer en rien dans la corruption qu'a faite dans l'État. Il ne peut changer en rien dans la situation insécurité, kidnapping de la population à vivre chaque jour. Il ne peut changer en rien dans la situation politique là. Et c'est ça que fait le secteur démocratique et populaire. Nous-mêmes, nous quimbés positionnons avec Jovenel Moïse, nous sommes dans le ni-ni. C'est-à-dire, nous n'avons ni dialogue avec Jovenel Moïse, nous n'avons ni cohabitation, nous n'avons référendum, pour même bien sortir dans le référendum, nous n'avons élection avec Jovenel Moïse. Nous sommes dans le ni-ni avec Jovenel Moïse. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut continuer et la mobilisation pour le respect de l'article 134-2 de la Constitution, mais il faut bien discussion avec la société civile, les groupes politiques de l'opposition, il faut bien discussion avec la communauté internationale qui c'est le vrai patron, le seul patron de Jovenel Moïse, pour nous capables de mettre capé une équipe gouvernementale qui pour favoriser le retour à l'ordre démocratique, qui pour combattre l'insécurité, pour écraser les gangs, qui pour créer conditions pour une série de dossiers de justice importants qui traînaient devant la justice avancée, tant qu'au dossier Petro-Caribé, massacre La Saline, massacre Belay, massacre City Soleil, une équipe qui est capable de créer conditions pour nous mener le pays à l'élection libre. Voilà, déclaration, porte-parole
secteur démocratique populaire, M. André Michel, toujours apprêté avec réaction beaucoup d'opposition, gain on porte-parole, estrict opposition, opération tête somme, qui c'est Chile Ludor qui est qualifié, diversion, démission, premier ministre Joseph Jutland. Chile Ludor dit ça pas étonné, parce que depuis après 7 février passé, à eux même opposition, il pas reconnaître Joseph Jutland comme chef gouvernement paysan, dirigeant politique lundi, Kounia, y a tant de président Jovenel Moïse a fait même geste là, pendant la renouvelée détermination, pour continuer bataille contre le pouvoir en place là. En côté, Dr. Chile Ludor, dans le micro Radio Méga. Nous, de l'opération Tête Ensemble, nous parlons ça ni chaud, ni fouette. Parce que l'opposition Tête Ensemble là, nous classons. C'est pas démission ou diversion. D'ailleurs, nous ne pouvons quand même parler de démission à des mondes qui étaient occupés des postes illégalement. Depuis, et même avant le 7 février 2021, joute par ton premier ministre constitutionnel. Après le 7 février 2021, il n'y a pas de pouvoir. Jovenel Moïse, l'ancien président, vient devenu un président, ancien président nommé, inculpé, assassin, usurpateur de titre. Ça veut dire pour nous, c'est théâtre. Démission ou diversion. Ça va pas faire nous ni chaud ni fouette. Ce que nous attendons, c'est que Jovenel Moïse, qui sont usurpateurs de titre, revêtent les palais nationaux. Question joue de Joseph que nous ne pas prendre déjà pour premier ministre, pas du moyen. Parce que qui s'allie, c'est un mec qui a piteusement échoué, c'est un mec qui clairement dit que le patongé, maintenant, mais à gang. C'est-à-dire que nous avons fait kidnapping, assassinat, tout ça qui passe là, dans le pays, les complices parce que c'est un millier. De l'autre côté, Chile Ludor voye yon pinga bay tout dirigeant de l'opposition qui t'a gagné l'idée à participer dans la formation. Nouveau gouvernement consensus, président Jovenel Moïse a parlé à. Chile Ludor qui t'a profité critiquer yon série l'autre acteur politique qui a dit yon pas démocrate à cause yon pas décidé et aller chita parler à l'équipe en place là. Chile Ludor fait qu'on est dirigeant ça aussi. Moun kap travail pour voir en place là. En côté yon l'autre fois, Chile Ludor nan miko Peterson Blaise. N'importe qui moun kal nan dialogue à Jovenel Moïse. On met connaît son volet, oui, son assassin, son criminel, oui, son kidnappeur, oui. N'a pas gardé qui les kidnappeurs pour le chita Jovenel Moïse. N'a pas gardé qui les assassins pour le chita Jovenel Moïse. N'a pas gardé qui les volets, qui les criminels qui pour le chita à Jovenel Moïse. Après, Grégory Chetilet fini mourir. Dauphine fini mourir. Tibadjo fini mourir. Evelyne Sensa fini mourir. On vole une femme violée. Une pensée spéciale pour l'Église catholique, pour les médecins. Dans le moment d'en parler là, j'ai mon ami André Valenbois. C'est mon confrère, nous faisons médecine ensemble, la faculté de médecine, qui entre les mains des kidnappeurs, qui fait mal. André, de son surnom, Paco, c'est mon ami. Il y a un kidnappé, il bat un compte comme un Valenbois et on y a. Et puis, si on est vous pensez qu'on a Calchita à Jovenel Moïse, nous, dans l'opération tête ensemble. Nous clairs, nous pas dans le dialogue avec Jovenel Moïse. Mais mon Dieu, pardon. On n'écoute pas même osé parler de ça dans le téléphone avec Mabdou Sakasaol de Fly. On n'écoute pas question de usurpateur de titre là, Jovenel Moïse. On parle en monde comme ça. Popol, parti politique, organisation PECAP, l'ETA, qui c'est Daniel Syria, qui a dit pas étonné après démission Joseph Joute dans tête gouvernement. Pour Daniel Syria, qui a sa pape changé en rien dans situation difficile, pays après les derniers jours, ça y est. Pour l'idée politique, l'enseignement démission président Jovenel Moïse, qui a facilité amélioration, situation malouk peplaye, je ne jeudi, en côté Daniel Syria, dans micro, Radio Méga. Bon, nous prenons note de démission pour premier ministre de facto. Joseph Jout, dans le contexte côté pays à lui-même, l'État viré tête en bas. Et puis nous, au Palais National, ceci si on note pour le dire que démission Jout là, libéral et permettre et résoudre problème de sécurité dans le pays. Premier bagage, il a dit, c'est que si c'est Joseph Jout qui était alimenté insécurité à travers gang, et qui était rendu kidnapping non, possible, c'est une mission qui n'a pas accompli pour Jovenel Moïse. D'ailleurs, Joseph Jout, c'est pas un qui a réglé rien pour le pays. Il n'a pas gagné une mission constitutionnelle. Donc, il n'a pas gagné non plus une mission
de la patrie pour être capable de gouverner. C'est un qui était là illégal, illégitime, comme instrument de Jovenel Moïse qui t'a agi pour lui et puis qui t'a dit bêtises à tout moment. Donc, et démission là lui-même n'est pas paraît comme un événement pour nous au niveau de l'opposition. Nous pas quoi l'a changé en rien, d'autant que et opposition et peuple haïtien en général. Donc, c'est pas une démission qu'on s'est à l'étape tente. Donc, c'est le départ de Jovenel de pouvoir au plus vite. Et c'est seul et départ Jovenel là qui a fait, c'est seulement départ Jovenel Moïse là qui a fait faciliter une amélioration dans conditions difficiles que peuple haïtien trouvait là, que ce soit sur le plan de sécurité, sur le plan socio-économique, sur le plan de gouvernance. Parce que Jovenel Moïse en soi, lui symboliser l'insécurité, lui symboliser... 5h55. Coordonnateur général Fonds Organisation Nationale pour un Haïti stable et démocratique, Rosemond Jean, dit pas prendre au sérieux démission pour le ministre Joseph Joutland. Le président Jovenel Moïse a fait connaître Joseph Joutland, pas t'a réglé en rien, dans le sérieux, dans tête primatien. Pas l'a dit ancien premier ministre Joutland, t'es confondre incompétence et arrogance. Parole Rosemond Jean, en côté de l'homme, Peter Son Blaise. D'abord, tu vas nous prendre une démarche, ça qui vient comme. Donc, on joue d'une personnalité, d'une conscience, je ne suis pas capable de démissionner. Le contraire vient à démissionner, le démissionner. Il est obligé de démissionner parce qu'il n'est pas capable. Il joue pas de jambes capables parce que le premier ministre est toujours confondre l'arrogance avec la compétence. Arrogance, ça veut dire compétent non poste. Ou capable d'ingénieur, mais ça va être compétence pour homme d'État, pour prendre des ministres. Vous connaissez comment, lorsqu'on dirige l'État, laissez l'État ou administrer, laissez des décisions ou prendre engager l'État comme un thème. Ok? C'est des bagages différents parce que, moi, j'ai toujours fait une loge, juste un ingénieur. Ingénieur pas un homme d'État. Ingénieur pas un homme, pas un homme qui est capable de chicat politiquement. Ok? Avec lui, ça me vaut pour ça. Deuxièmement, l'entendu, qui passe au niveau village de Dia, il devait tirer la référence pour continuer, pour être estimé, en tant que premier ministre. Chef CSPN, qui vont une opération avec autant de grandes envergures qui sont dans le village, ils étaient de son table avec radio-communication pour être suivi à la lettre. Lorsque M. Vimini est en côté pour qu'il réagisse, pour en difficulté, lui-même, pour le déplacer les dernières décisions extra, comme chef, comme monde qui est responsable. Une autre bord, heureusement, Jean plaidait en faveur un bon dialogue en mi-temps, tout acteur dans l'idée pour capable d'arriver, mettez campé un gouvernement consensus. J'ai président Jovenel Moïse lui-même déjà prôné l'un là, militant politique ou bien allié direct, ou bien allié proche. Président Jovenel Moïse croit un dialogue sincère capable de retirer le pays dans Jean Trouvel, dernier ton saillou. En côté, heureusement, Jean. Quand même, ça me connaît, ça me t'arrête, ce dialogue-là, cette stabilité-là. Que nous captions le coup de poing hier, nous captions le coup de poing que nous vivons côté, nous disons, on a une chance. Mais il n'y a pas capable encore. L'église à genoux, protestant à genoux, pasteur à genoux, hongrois à genoux, tout entrepreneur, tout à genoux, pays à craser. Mais il y a craser le pays parce qu'il y a poumé dans l'intérêt libanais à Syrien. Non, il y a une sortie de phase grave. Quand nous prions l'Haïti, ni le président parler de nos référendum. Ce n'est pas un référendum. On a une élection référendum. Faut voter pour ou voter contre. Nous avons l'élection. Bon frère force nous. Nous ne faisons pas pour la République dominicaine. Cherchons, nous sommes candidats. Nous attendons son projet avec pouvoir pour 2022 pour ne pas tomber dans la guerre civile. Pour ne pas tomber dans le chaos, pour ne pas tomber dans le cache bombé. Si nous sommes hommes d'État, nous n'avons pas des politiciens. Des politiciens, des hommes d'État qui ont fait politique. Je dis à l'AME que nous prions de faire hommes d'État. Parce que homme d'État, lui est l'avenir. Homme d'État, lui est prospérité. Homme d'État, lui est victoire. Homme d'État, il ne peut pas nommer où il a parlé de lui. Les politiciens, c'est pas de musique. C'est l'égoïsme. Plateforme nationale secteur populaire science à l'intelligence, président Jovenel Moïse qui a accepté démission Joseph Jout dans tête primatien. Du donner les soins une occasion pour président Jovenel Moïse profiter marcher joindre opposition radicale. T'as comme André Michel, ancien sénateur Tonio Chérami, ancien sénateur Evalier Beauplan et Latrier.
à travers des matchs à chef l'État pour arriver à organiser dialogue qui doit résoudre des crises là. Responsable pense pas continuer pour une salle équilibriste politique comme seule solution pour être pays à la pauvreté extrême. Ça, un côté Dieu donné, les rissons. Parti plus pas a profité occasion ça pour saluer intelligence président Jovenel Moïse qui acceptait démission premier ministre Joseph Jout. Nous croyons que démission PM doit permettre président Jovenel Moïse pour le prendre bâton pèlerin pour la rencontrer tout acteur politique tout opposant politique yo, que c'est des opposants qui modérés que c'est des opposants qui radical pour lui lancer dialogue là. Et nous croyons dans le parti PLASPA, comme nous sommes un parti qui s'est pionnier de la doctrine équilibriste politique en Haïti, équilibriste politique qui veut dire unité dans la diversité, équilibriste politique qui veut dire rassembler tout le monde qui a une bonne idée, un bon projet pour monter un gros projet pour sauver Haïti. Équilibriste politique qui veut dire, même si nous tous pas un bagaille, même gens, mais faut bon côté nous rencontrer. Côté nous devons rencontrer, c'est dans le cas où unité et changement pour nous bâtir un gros projet pour nous retirer Haïti dans le niveau de pauvreté que lié jeudi à. Parti plus pas. A encouragé président Jovenel Moïse pour le prendre bâton pèlerin pour la rencontrer Don Kato la Kaili pour la rencontrer André Michel la Kaili pour la rencontrer Edmond Cyprien Bozil la Kaili pour la rencontrer Evalien Beauplan pour la rencontrer président Jean-Bertrand Aristide pour la rencontrer Chilel Widor tout opposant yo pour le faire comprendre solution crise haïtienne non c'est seulement par le dialogue 6 heures on a toujours été avec un responsable dans PLASPA responsable PLASPA fait déclaration ça pendant la t'a participé dans 9e édition et semaine diaspora en République dominicaine sous invitation Fondation Zilea activité ça caboute 21 avril Cap Vinila Abdéoulin baptême Haïti et la République dominicaine face au défi de la fraternité et la coopération pour la relance économique insulaire post-Covid-19. C'était occasion pour délégation en plaidé en faveur d'une coopération équilibrée entre deux pays. PLASPA a profité pour poser problème communauté haïtienne dans l'autre boa. Si tout étudiant qui a fait face à un pile difficulté, si tout problème en pièce identité, malgré PLASPA reconnaître ministère affaires étrangères fait gros effort pour faciliter compatriotes joignent 4 malogue mais 4 identifications nationales. L'autre information dans le journal là, il y a un secteur démocratique populaire qui croit c'est un petit pas dans bonne direction. Les BINU finalement comprennent référendum n'est pas inclusif ni transparent. Maître André Michel mandé communauté internationale en vient jouer une force progressiste sur Cap-Peplan pour forcer président Jovenel Moïse à quitter pouvoir. Pour parole secteur démocratique et populaire, Maître André Michel fait qu'on est BINU doit comprendre tout. Aucune élection pas possible dans le pays avec l'État ça, gangio avec KEP, PHTK ça. En écoutez Maître André Michel. Bine donc comme ça, référendum non, c'est social, pas participatif, pas inclusif. Mais attention, c'est Bine qui était engagé là-dedans avec Jovenel Moïse. Maintenant, si je dis à vous comprendre ça, et vous comprenez que ce n'est pas bon, quoi vous dites là-dedans, eh bien, tant bien que mal. Plutôt ça, parce que malgré ça, je vous dis dans le pays, avec vous, dans la montagne, plutôt ça, parce que malgré ça. Henry Kissinger, un grand diplomate américain, qui est dans pile l'âge où il y a, mais qui a vu toujours. On va inventer la stratégie des petits pas. C'est un petit pas dans la bonne direction, la déclaration du BINU à propos de ce référendum. C'est un tout petit pas dans la bonne direction et moi, encourage la communauté internationale là pour continuer de joindre la population. Encourage pour comprendre que aujourd'hui, à l'obstacle à la stabilité politique, c'est Jovenel Moïse qui a un mandat fixé depuis 7 février 2021. M'encourage à comprendre que si on voulait et aider Haïti à rentrer dans la stabilité politique, dans le développement économique, dans le progrès social, ils doivent accompagner force progressiste, accompagner le peuple-là pour faciliter le retour à la démocratie, pour faciliter le respect de la Constitution, et c'est le ça, on va aller ensemble dans la bonne direction. Élection
communauté internationale la vle a, mais faut le comprendre, Jovenel Moïse, pas cabalil. Jovenel Moïse, c'est un président rejeté par la population, il n'y a aucune légitimité. Il y a quatre conditions minimales qui doivent être réunies pour qu'il y ait des élections en Haïti. La première condition minimale qui doit être réunie, c'est le respect de la Constitution. Ça veut et non même dossier ça n'a rappelé côté que bien binu sous code qui de l'île il était écrit ça sous causé et référendum et causé constitution côté il était dit processus là il pas assez inclusif pour dire il pour vraiment senti tout acteur yo en dedans et causé référendum bien nouvelle constitution et il pas gain trop participation différents coucio et il senti que le manque est transparent d'après ça binu était dit même sous code qui de l'île appropriation nationale projet ça veut dire senti que population est-ce que vraiment là il y a gagné il y a appréciation énorme pour ça côté un bien population a exigé engagement ça ne lion éventail plus là comme si côté buni a exigé là vraiment côté tout acteur politique acteur politique acteur dans société civile là et là dans tout qui capable gagner groupe femme ak religieux dans tout pays pour yo inclus pour yo participer dans un processus causé nouvelle constitution, on dit bien référendum qui prévoit fête 27 juin Cap Vinila. 6h05. Porte-parole Formule Laval, ça jette son dire aux jeunes quoi dernier tweet binuant, c'est pour faire diversion, pour retirer focus population sur référendum là pour qu'il faire le plus facile. Jette son dire aux jeunes mais des populations rester mobilisées pour faire chèque avec projet c'est là. Porte-parole Formule Laval, ça fait qu'on est au pas bas importance avec démission pour le ministre Joseph Jout. Cependant, porte-parole Formule Laval, ça fait qu'on est ancien chef gouvernement et facilité confirmé tout bon vrai si pouvoir PHTK capable d'alimenter gang yo à kidnapping yo en côté jeu de son zéro gène dans micro Jean-Philippe Massé. Écoutez, je ne sais pas si nous avons trop d'importance pour accorder à Joseph qui démissionne. Je ne veux pas mériter toute valeur ça. Seul service que je pense ajouter dans la société, c'est. Nous avons déjà comme ça, mais le seul deal, je pense lui permettre à ce que nous avons plus confiance, le Nabdi ça. Nous avons dit, c'est Jovenel, c'est PHTK qui alimente Bandi. Je dis que lui-même, il parle avec lui. Ouais, il parle avec sans problème, c'est 100 millions. Et ou après, tel enseigne, le c'est mon pouvoir, ils font 6 000, ils font mascarade, ils prennent, il y a le problème, sans problème. Ouais. Et mais, ou après, depuis c'est Jacques, c'est Pierre, depuis c'est mon bel, mon assain qui a mouru, il va me dire. Il veut dire que c'est plein. Et ça, je vous le dis encore, je vous le dis que, eux-mêmes, derrière eux comme exécutif, vos paquets qui apparaissent sur eux, c'est gros voleurs. Et jusqu'à ce que je te dis, malheureusement, il n'y a pas qu'il y ait les cabrites, il n'y a pas qu'il y ait les poules qui n'ont pas été tassées. Est-ce que le gros vol a marché derrière Joseph? Parce que moi, je me là. Au moins, ça, il était plus ou moins dit, parce que c'était qu'on est là. Bon, il était plus loin pour dire que c'est la caille qui a mangé par un caille. Ça veut dire que, pour ce qui servit ça, je te le mets, même pas qu'on ne va pas accorder trop d'importance avec Joseph, qui est soi-disant démissionné ou bien démissionné. Même pas ce que je dis là. Peuple haïtien regarde le fixer sous un référendum que nèg yo a battu croquer dans gorge nous là et juste pour capable remettre blanc pays là mais tout yo capable tout blanchir tête tout ouais pour tout blanchir tête pour pas répondre pour pas quelqu'un question pour répondre la justice mais tout pour vendre pays là pour prendre pays là pour remettre blanc ouais, ça veut dire que écoutez soit la ligne à faire c'est stratégie c'est on manœuvre pour capable désolidariser société là. Le point d'actualité à la sur initiative ensemble organisation politique d'opposition yo plusieurs dizaines citoyens fait plaisir tout palais national dans l'idée pour continuer exiger départ chef l'état Jovenel Moïse dans palais national hier mercredi qui était 13 avril 2021 dans cadre d'un mouvement protestation ça en pile caoutchouc boulé yo machine service l'état boulé tout dans avenue Mani pour une pas parole ensemble organisation politique d'opposition yo qui c'est Saint-Fleur Edouard expliqué deux jours il a réalisé tout par les national ça c'est un acte spirituel ils ont fait ça pour forcer locataire par les national là quitter et tête par les à pour dire